Amis, comment nous? J'espère que nous sommes tous en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous matin pour me venir parler nous deux et ça fait football. Ça fait football, parler de football. Jacques nous allons nous prêt pour nous parler de football haïtien. Parler aux deux en paquet de joueurs qui ont joué au niveau international, comment ça lui-même yo pour yo, les joueurs qui ont joué international yo, haïtien yo qui ont joué à l'étranger. Mais je dis, ma fonte parle de quelques haïtiens, mais avant que je parle de joueurs haïtiens, ma peur fait un petit parle avant de parler de ça que je viens parler aujourd'hui. Moi, je viens parler de 5 joueurs qui gagnent d'origine haïtienne, si vous avez joué pour Haïti et comment ça t'est capable. Et il y a plein de monde qui toujours parle de affaires gardiens, gagne 2 gardiens. Je vais parler de 2 gardiens et 3 autres joueurs qui sont joueurs et qui sont nés de parents haïtiens qui ont évolué au niveau international. Je vais parler de 3 joueurs et de 5 joueurs haïtiens, mais avant, je vais parler de quelques joueurs haïtiens qui sont joueurs haïtiens directement qui fait en Haïti, qui ont même joué de nouveaux contrats. Mais avant d'aller plus loin, bon, je vous remercie aux différents qui ont toujours été connectés sur ce channel-là. Channel, ça, c'est Channel Paula, Channel 1500 ans. Je vous remercie et vous-même qui êtes nouveau sur ce channel-là, nous allons continuer et de nous avancer et invitons l'autre ami à venir monter sur Channel Paula qui c'est Channel 1500 ans. Eh bien, bon, commencer, il y a 2 jeunes haïtiens là qui ont même fait que jeunes ont contrat qui c'est 2 jeunes et joueurs qui t'a vu dans moins de 17 ans en 2019 côté que 2 jeunes joueurs ça qui c'est gardien de but c'est Jude Delva, monsieur qui gagne 18 ans, et puis gagne l'autre défenseur là, qui c'est Emmanuel Jean Geoffroy, lui-même qui gagne en question de 17 ans, qui t'a rejoint dans un club qui c'est Pittsburgh et City aux États-Unis, qui c'est un club dans zone nord États-Unis, qui t'a créé. Et yon ligue sa ki kre nan zon sa kote ke se premier ligue soccer nan Etats-Unis kote ke yon ligue ki kre pou jen, ki se jen profesyonel kote ke de jen Haitien sa ou pa evolue nan klub si la. Et puis tout genyen M. Ajodian ki repren antrenman an parlant de Leveton Pi avek ekip Dunkerque lan ki repren antrenman menm jan toujou diyan ka di se aniverser yon nan Grenadier nou yo ki se Kennedy Antoine li menm ki se yon jwò vreman important. Nou souwete monsieur bon aniversè jodi an kap fete a 100 e kap fete 30e aniversèl an parlant de Kennedy Antoine. Et puis, il y a quelques autres joueurs qui vraiment qui signent plusieurs joueurs haïtiens qui sont dans la deuxième division française qui est dans la nationale. Tout. Nous avons pour nous parler de ça. Mais je dis, je vais vous présenter 5 joueurs qui gagnent d'origine haïtienne, qui gagnent de père et de mère haïtienne, qui gagnent de père et haïtien, qui gagnent maman qui est française. Mais nous parlons au premier, nous parlons de 2 gardiens. De gardien ça pour parler là qui est capable content de parler de ou même qui brancher dans football là et surtout pas capable brancher dans football là faut connaître Garrison et c'est Garrison Innocent depuis ou t'as parlé de jeune gardien ça Garrison Innocent lui-même qui vraiment c'est un bel joueur qui est bel gardien début qui lui-même fort qui dans Paris qui c'est joueur de Paris Saint-Germain côté que l'été n'a joué dans Paris Saint-Germain il a prêté avec et plusieurs équipes il prêté avec plusieurs équipes en parlant de Garrison Innocent monsieur qui né en France m'a dit en 2000 le 16 avril 2000 avait dit son jeune gardien l'étape jouée dans National. Actuellement, monsieur Lee est arrivé dans Paris Saint-Germain depuis en 2019. Côté que l'étape jouée dans l'équipe Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain était prêté Lee. Depuis en 2015, il est arrivé dans Paris Saint-Germain. Côté que Paris Saint-Germain était prêté avec l'autre club. En parlant de 2015, il était signé un premier contrat professionnel le 30 juin 2018. Côté que il était venu en joueur Paris Saint-Germain jusqu'en 2 juin 2021. Ça veut dire que monsieur là, il parti sous plusieurs et prêts. Il est 4e gardien depuis 2019 à 2020. Côté que lui-même il t'a pas signé une prolongation contrat avec Paris Saint-Germain pour 2 ans. Paris Saint-Germain qui t'a pas prolongé Keylor Navas qui dans l'équipe là Sergio Rico, Marcin Bulka. Côté que monsieur lui-même il t'a 4e gardien. Et bien il t'a pas prêté en 2020 2021 avec l'équipe Caen.
côté qu'elle te rejoint Evie Kankan, côté que tu as pas joué premier victoire les professionnels les c'était devant équipe contre Dukange côté Dunkirk le 18 décembre côté que et puis il t'a pas sorti non match comme Blin le 30 juin 2030 mai 2000 30 janvier 2021 côté que monsieur toujours en prêt côté Ligue 1 l'autre prêt avec équipe Vannes actuellement il en prêt avec Vannes pour saison 2020 2021 2022 côté que monsieur lui-même il rejoint l'équipe Vannes qui son club dans deuxième division lui-même qui vraiment c'est un bel gardien de but qui est très jeune en parlant de Garrison Innocent. Gros l'autre joueur qui sont l'autre gardien que me connaît que ou qui doit content de parler de lui c'est Alexandre monsieur Alexandre Pierre qui sont l'autre gardien que nous-mêmes nous on était capable de parler tant de parler du gardien ça c'est tout à fait important côté que monsieur lui-même qui sont un bel gardien tout qui était capable de gagner à seulement 20 ans qui vient dans Strasbourg c'est vraiment important qui joue actuellement qui dans Strasbourg et lui-même qui gagne un bel talent en pile haïtien taïmé et gagner t'as aimé qu'on est qui ça que monsieur lui-même l'a fait en parlant du gardien ça qui actuellement l'a joué dans l'équipe Strasbourg dans la première division française et nous t'as aimé qu'on est et haïtien t'as aimé qu'on est ce que monsieur capable de jouer pour Haïti toujours éligible pour l'état jouer pour Haïti en parlant de monsieur ça qui c'est qui c'est Alexandre Pierre qui c'est gardien de but qui est capable de jouer pour la sélection nationale pays d'Haïti jusqu'à présent c'est bel gardien nous toujours gain pour bel gardien mais immédiatement que gain l'autre gardien qui a pas évolué au niveau international nous capable faire parler du gardien ça qui c'est Alexandre Pierre lui-même qui a vraiment un bel gardien de but qui a évolué directement dans l'équipe Strasbourg. Et puis, toujours, ces deux gardiens, ça, on devait présenter. Gagné deux, au milieu de terrain, qui me présente, qui c'est Jean-Ris Nebelgad, un pile haïtien, un pile monde toujours parlé de ça. Jean-Ris Nebelgad, qui c'est un bel joueur, qui lui-même a joué, qui sont milieu de terrain, qui a joué dans l'équipe à Strasbourg. Jean-Ris Nebelgad, lui, vraiment bel gardien, mais pour bel joueur, ça qui était non. Non, et qui c'est monsieur c'est français comment dit français parce que actuellement monsieur lui-même il gagne origine haïtienne papa et maman qui c'est haïtien côté que lui-même lui capable jouer pour la sélection nationale pays d'Haïti il y a plusieurs fois que il était tenté pour ta fait monsieur bel milieu de terrain très vivant il a 23 ans parce qu'il s'est fait 27 juin 2000 et 27 juin en 2018 actuellement monsieur lui-même lui dans équipe il jouait pour U20 pour U19 la France là pour U20 la France il jouait pour Héros Espoir équipe la France là vraiment bel gars lui-même qui a une belle carrière devant en pile haïtien t'as aimé ouais monsieur t'as porté couleur sélection nationale pays d'Haïti plusieurs tentatives d'affaires là pour nous connaître est-ce que monsieur lui-même est capable de jouer pour l'équipe haïtienne actuellement monsieur lui dans l'équipe Strasbourg capable jouer en première division et en première division en française. Bon, l'autre joueur encore qui est capable de content de parler de lui, qui c'est Hobson de Edouard. Hobson Edouard lui-même, dans tout ça que nous avons présenté là, Hobson Edouard, c'est un homme qui a gagné plus de talent dans tout ça que nous avons présenté là, en parlant de Hobson Edouard, mais c'est 23 ans tout. Lui-même qui a gagné les parents haïtiens, tous parents haïtiens, monsieur que. Qui a vraiment fait 7 janvier 1998, ça veut dire que monsieur qui a 23 ans, jeune gardien, jeune joueur, jeune attaquant, c'est tout à fait important. Monsieur qui jouait qui jouait U17, il jouait U17, il jouait U18, U19 pour la France, il jouait pour Espoir pour la France. Il jouait 14 matchs pour Espoir pour U17 la France, là, il fait 15 goals. Il jouait 9 matchs pour U18, là, il fait 4 goals. Il jouait 13 matchs pour U19, là, il fait 5. Il jouait 14 matchs pour Espoir, là, il fait en question de 17 goals. Ça veut dire que monsieur là, qui a vraiment, il fait dans le banlieue en France, et écoutez que c'est attaquant dans l'équipe à celle
Celtics de Glasgow. Nous t'as souhaité que monsieur lui-même lui t'a joué pour Haïti. Et puis l'autre joueur là qui c'est Casimir, Josué Casimir, lui-même qui c'est l'autre joueur qui joue, qui fait en Guadeloupe de parents haïtiens, parents immigrants haïtiens, côté que monsieur lui-même actuellement lui a gagné. Li est capable de jouer pour Haïti, mais il joue pour U20. Et en parlant de il joue pour U20 et pays, il joue pour U20 dans pays et pour Guadeloupe, mais il est capable de jouer pour la sélection nationale pays d'Haïti. En parlant de monsieur qui gagne à peine 19 ans, très jeune joueur, jeune attaquant, très complet, monsieur qui est Josué et Casimir, deux parents haïtiens actuellement, monsieur qui a joué dans l'équipe Paul Avelin, dans la même équipe avec équipe, dans même équipe avec. Avec l'autre grenadien qui c'est qui l'autre grenadier qui c'est Hervé Basile. Ça veut dire que 5 ans joueurs ça aucun devine présent là, trois gardiens yo, deux gardiens Garrison Innocent, Alexandre Pierre et puis ces gardiens Hobson Edouard, Jean-Risner Bellegarde et puis Josier Casimir. 5 ans joueurs ça aussi que nous t'es capable de compter ce joueur ça et convoquer pour l'avenir parce que ça c'est 5 ans joueurs, 5 ans jeunes joueurs qui pas même qu'au 25 ans, qui pour même 24 ans, qui va à peine à cap sortir de 10, de 19 à 23 ans, qui capable d'aider pays noir dans les affaires football là, qui t'a complété avec 2-3 joueurs qui nous gagnent, cap jouer deuxième division en France et tout, qui capable de jouer première division. Akus Kalens, 2-3 joueurs qui a joué et qui a joué dans France, l'autre joueur qui fait qu'entrer en France, là, nous avons pour nous faire parler de ça. Bien, vous devez être connecté sur channel là, nous avons toutes les informations pour des joueurs haïtiens, côté que vous devez connaître, joueurs ça ou même qui ça fait au niveau international. Restez connecté sur channel là, nous avons tourné pour plus d'informations.